Il manquait une belle régate aux Antilles. Saint-Barth est un lieu absolument merveilleux pour l'accueil déjà, et en même temps en tant que plan d'eau, parce que c'est une des seules îles où vous pouvez faire des régates en utilisant les cailloux, les petits îlots, les petits îlets comme marque de parcours naturel pour faire de très très beaux parcours. Et l'an dernier, on est venu, on s'est régalé, ça a été absolument merveilleux, et il n'était pas question qu'on ne soit pas là cette année avec notre bateau, et on voit le succès que ça a pris en un an, c'est incroyable. Bah, vous avez des multicoques d'abord, vous avez des bateaux de course ou des cruiseurs-raceurs de taille raisonnable, et puis bah, il y a déjà 7 super yachts qui régatent, dont un Grand Swan, Sojana qui fait 35 mètres, l'ancien speedboat qui s'appelle Rambler qui fait 30 mètres, Léopard qui fait 30 mètres, Genuine Risk, il y a un plateau de gros bateaux absolument incroyable, je pense que vous aurez de belles images cette année. Bah, l'objectif, c'est d'abord de passer un bon moment, de faire des belles régates sur l'eau et avec un bateau comme Sojana, d'essayer d'accrocher en handicap nos concurrents les plus rapides, parce que des bateaux comme Rambler ou Genuine Risk sont quand même très très rapides. C'est des bateaux qui ont été conçus pour la régate pure, alors que nous, on est un vrai cruiseur rapide avec la vaisselle en cristal et les couverts en argent.